Mes chers amis, prenez une pièce, un billet, mettez dans la boîte de tzedaka. Et aujourd'hui, une journée très spéciale, le jour de Yudalet qui se lève, le 14e jour de mois de qui se lève. Eh bien, vous me posez la question, encore une date chassidique? Encore quelque chose de nouveau? Écoutez. Alors, vous me posez la question, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, en 1928, aujourd'hui, le 14e jour de mois de Kislev, le Rebbe et la Rabbanit Chaim Mouchka, finalement, après de longues années de fiançailles, qui a pris plusieurs années, différents événements en Russie à cette époque, le fait que le rabbi précédent était en prison et est libéré durant cette période. Il a dû quitter la Russie. Donc tout cela a retardé, mais finalement, en novembre, qui se lève, 14e jour de mois de qui se lève, le Rebbe et la rabbinite s'est mariée. Alors vous pouvez poser la question. Nous, en bon franglais, so what? Alors, eh bien, en 1954, un Shabbat, Vaishlach d'ailleurs, Yudalet qui se lève. Le Rebbe, tout à coup, d'une manière inattendue, il a demandé est-ce que les chassidim sont prêts, ils ont prié, etc. On va faire un Fabrengen. Et le Rebbe se proclame, se prononce durant ce Fabrengen avec ses paroles en yiddish, en disant la chose suivante. Aujourd'hui, le jour du mariage, c'est le jour qui m'a relié à vous et vous à moi. Nous allons mettre de la pression sur moi, moi je vais mettre de la pression sur vous, et ensemble nous allons réussir à dévoiler la Geoula, on va mener le Mashiach. Donc le Rebbe nous dit ici une chose extraordinaire, que c'est ce jour, qu'est-ce que ça veut dire? Ce moment de mariage avec la Rabbanite, c'est ce qui est la journée qui nous en donne la possibilité de faire venir la Geoula, de dévoiler Mashiach, la perfection donc de la raison d'être de la création du monde. Le monde a été créé pour quoi? Pour ce moment de la Geoula. Dit le Rebbe que ceci, c'est ce jour qui est la raison et qui nous donne la possibilité, donc la force de pouvoir accomplir cette mission. Et regardons quelque chose d'intéressant. Habituellement, être Rebbe est de génération en génération. Ça se transmet de père en fils. Comme ça, ça a été chez l'Alte Rebbe, le Mittel Rebbe, ensuite les fils et les enfants du Tzemar Tzedek, le Rebbe précédent qui était un fils unique du Rebbe Rachab. Mais le Rebbe précédent n'a pas eu de fils. Il n'a eu que trois filles. Une, malheureusement, qui est décédée dans l'Holocauste avec son mari et ses cinq enfants. Et finalement, en 1950-51, le Rebbe est devenu Rebbe. Mais pour quelle manière? Pas par héritage direct, mais plutôt par le fait qu'il était le gendre du rabbi précédent. Donc, en réalité, le Rebbe est devenu Rebbe grâce à son épouse. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comme le Rebbe dit, que notre tâche, notre mission, elle est quoi? De faire venir la Geoula. Geoula représente quoi? La royauté. Melech HaMashiach. Malchut Bet David. La royauté du roi David. Le roi Mashiach. Dans la Kabbalah, nous connaissons qu'il y a les 10 attributs. Première, Chochma, la sagesse. Et la dernière, les 3 facultés intellectuelles, les 6 facultés émotives et finalement Malchut, la royauté. La royauté, le niveau de Malchut représente qui est la qualité qui reçoit tout de l'existence, si on veut, l'entonnoir, qui reçoit tout des midotes et des qualités précédentes, mais les transmet à la prochaine génération. Ce qui est représenté par l'aspect féminin. Donc, la royaume, si on veut, la nesiyut,
La présidence du rabbi, elle vient par quoi? Par Malchut, par la rabbanite. Et bien sûr, pourquoi? Puisque c'est le Rebbe qui est le septième depuis l'Alter Rebbe. Nous sommes la septième génération d'Alter Rebbe, et comme le Rebbe dit que nous sommes la dernière génération du Galout, de l'exil. Et c'est nous qui serons la première génération de la Geoula. Avec le Rebbe Melech HaMashiach et la rabbanite en tête qui nous mène vers cette Geoula. Donc cette journée du Yudalit Kislev, chers amis, une journée qui est extrêmement propice pour la Geoula. Et c'est à nous d'ajouter encore une action. Ajouter encore une mitzvah, se fortifier dans Avat Israël, s'engager dans la mitzvah de cette année d'Hakel, et ensemble nous allons tous nous rassembler avec le Rebbe, avec la rabbanite, dans le Beth Amikdash, dévoilé comme Melech HaMashiach, et ce sera Mazal Tov.